Alléluia, même Alléluia. Ou même qui est la vie, ou même qui a même Alléluia. Qui a même assoué, Alléluia. Alléluia. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite et un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par l'esprit de parti ou par de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Sous parole, ça, à nous camper pour adorer le Seigneur à soi. Amen. L'évangile à Jésus vient mourir pour nous-mêmes. Il mourit, il quitte le ciel. Amen. Il ressuscite pour le capable de nous la vie matin à soi. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons ouvrir le chant dans 52 créoles pour nous capables de chanter au grand amour qui racheté dans le péché, coupable et sale. J'en m'entraîne, pas de espoir. Dis-nous dans le cœur, dans le moment ça. Soirée ça spéciale pour nous-mêmes, pour nous les chrétiens. Amen. N'a pas dit le Seigneur merci pour le sacrifice qu'il fait pour nous-mêmes. Alléluia. Au grand amour qui t'est racheté, péché a coupable ça, j'en moitié pas d'espoir. Fais-nous
Divin, non divin, de
pour nous recevoir. Vous souhaitez crier le nom de Jésus. Alléluia. Nom qui bat espoir. Amen. Nom qui bat victoire. Vous souhaitez crier le nom de Jésus. Pensez avec nous ça à soi. Alléluia. Gloire à Dieu. Levez mes mains en l'air. Balancez mes mains devant le trône de Dieu. À soi, à son grâce, son privilège. Le Seigneur a accordé. Amen. Pour capable dans la présence, il vous dit glory et non. Yon seul petit, amen. Li pense à nous-mêmes. Li voye mouri pour le capable de nous la vie. Amen. Bon Dieu voye petit li. Rele Jésus qui te vini et pardonné. Alléluia. Li rachete nan nou. Et li mette nou libre. Alléluia. M'a kon sou kwen na parole sa. Li va chante chan sa.
tout bagage à lever voix dans moment ça. Crier devant le Seigneur à soi. Alléluia. Nous allons prier mon Dieu à soi. Nous mettons sous main pour capable prier le Seigneur à soi. Dieu fidèle, Dieu maître, Dieu adorable. Nous approchons devant ton trône bénis. Dans moment ça, cher Seigneur Dieu, pour nous dire merci pour fidélité. Merci pour compassion. Oui Seigneur, comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ces bienfaits envers nous-mêmes. Seigneur, ma soeur, nous pas de mots. Nous pas de mots à soeur. L'église là pas de mots à soeur. Bien-aimé, nous pas de mots à soeur. Puis on dit comme on vivant, comme on fidèle dans la vie. Si on va venir mourir pour nous-mêmes, à soeur, nous pas de victoire. Oh, nous capables de prier, nous de victoire. C'est grâce avec sans ça. Sans ça qui devine couler pour nous-mêmes. Sans ça qui devine couler pour nous-mêmes. Il y a victoire là-dedans. Oh, il y a force là-dedans. Il y a autorité là-dedans. Les chrétiens prient. Oh, alléluia. Nous avons victoire à cause de force. Merci Seigneur pour sacrifice. Ou de prendre pour nous chaque qui l'a soir. C'est ça qui fait nous la présence ou à soir. Nous vous remercions. Chaque jour, nous célébrons. Chaque jour, nous disons merci, Seigneur. Nous disons merci pour la fidélité. Comment fidélité ou grand. Pas de temps, bon Dieu. Oui, pas de temps, bon Dieu. Oui, bon Dieu. Oui, à soi, nous reconnaissons envers. Nous reconnaissons envers, à soi. Nous approchons devant le trône béni. Pour nous disons merci. Merci pour le sacrifice. Merci, Seigneur Dieu. Vous permettez que nous-mêmes, nous capables de réunir à soi. Ça, nous capables de lever demain nous en l'air. Oui, nous avons raison pour nous dire merci. Il y a des gens qui t'a aimé de lever en l'air, mais qui n'a pas de chance ça. Mais nous-mêmes, nous avons chance ça. Nous balançons le jour des morts. Mais c'est une grâce qu'on fait, nous, Seigneur Dieu. Spécialement l'église baptiste de la foi chrétienne. C'est une grâce pour nous-mêmes. C'est une grâce pour nous-mêmes, Seigneur. C'est une grâce pour chaque bien-aimé ça. À soi, je reconnais ça. Seigneur, ça vous fait pour vous. C'est ça qui fait vous dans le sanctuaire. Vous êtes venus vous voir avec nous. Ça qui suit nous sur Facebook. Ça qui suit nous sur l'Ina. Côté nous prions ensemble. Nous disons béni soit l'Éternel. Oh, nous disons béni soit l'Éternel. Nous disons merci Jésus. Nous disons Jésus bon pour nous. Nous disons Jésus fait pour nous. Oui, Seigneur, vous faites pour nous. Nous disons vous bon dans la vie nous. Comment vous ne pas dire merci, Seigneur Dieu? Dans le moment ça nous dit merci pour ça, pour ça. C'est merci seulement nous venons dire merci à soi. Nous ne venons pas mourir pour nous-mêmes. Nous sommes condamnés à mort. Mais nous venons de la vie éternelle. Oh, alléluia. C'est grâce à son ça. Oh, vous quittez trop nous. Vous quittez gloire. Vous quittez adoration. Vous venez sous terre. Vous venez prendre par nous. Vous venez mourir pour nous-mêmes. Oh, vous venez prendre la mort. Ou bien nous victoire. C'est ça qui fait nous puissance dans le nom de Jésus. Oui, il y a puissance dans le sang de Jésus. Les chrétiens disent le sang de Jésus. Oh, terre a tremblé, bac à courir, parce que petit bon Dieu priait le sang de Jésus. Nous disons merci, Seigneur. C'est merci seulement nous venons tout. Nous venons tout voir adoration. Nous venons voir action de grâce. Nous venons tout merci pour sacrifice. Oh, alléluia. À l'Éternel, nous pas mal de ça parce que nous voulons dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons fait notre béni. Pour nous dire merci, Seigneur. Oh, alléluia, gloire à Jésus, merci, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Moi, qu'on a vivant, dis ma comtesse demain. Thank you.
Frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs dans le Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu, notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église nous dit Amen. Moi, content de nous assoyant, et nous voulons saluer tout en frères et sœurs qui suivent nous live, tous les amis sur Facebook, et tous bien-aimés membres de l'Église qui souligne de prière, nous réunis à Soyan dans l'église baptiste de la foi chrétienne pour nous capables de commémorer la mort de Jésus-Christ. Et nous allons commémorer sa mort d'après l'évangile selon de Matthieu. Donc encore moins souhaiter nous toutes bienvenue. I welcome all of you. I greet all of you. Watching live on Facebook, we greet our church members on the church prayer line. May the grace of the Lord be with you. We are here to give thanks to the Lord for what he did 2,000 years ago. Jesus died on the cross. We remember this great sacrifice, the blood of Jesus. We are going to begin with to commemorate the death of Jesus on the cross, and I'm going to start the first reading in the book of Matthew. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Nous allons faire tout parcours là pour nous capables de voir comment bon Dieu les fidèles, comment les ramène nous. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, arriva avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui était avec Jésus, étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille. Alors, Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela arriva afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Parole du Seigneur. Sur la croix.
L'église baptiste de la foi chrétienne commémore la mort de Jésus. Maintenant, Jésus devant le Sanhédrin présidé par Caïphe. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisant pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent: « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit: « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit: « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit: « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors, le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant: « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble, ils répondirent: « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant: « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé, parole du Seigneur. » Au tribunal, Jésus se tient, méprisé seul et sans soutien. Il a dit, frappé soudain, que ferais-tu de Jésus? Que ferais-tu? Reniement de Pierre, nous commémorons la mort de Jésus et nous célébrons aussi sa résurrection d'entre les morts. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit: « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant: « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment: « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre: « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer: « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta,
Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Parole du Seigneur. C'est pour moi qu'il souffrit, et quand j'ai son immense amour, il m'a tout pardonné en mourant sur la croix du calvaire. Moi, l'Église baptiste, la foi chrétienne, a continué à commémorer la mort de Jésus. N'a aussi célébré la résurrection d'entre les morts. Nous allons reconnaître la condamnation. Matthieu chapitre 27. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. » Et après avoir délibéré à ce sujet, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé « champ du sang » jusqu'à ce jour. Alors, s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Parole du Seigneur. À l'âme songer, à l'âme songer, jouge moins tes vignes l'ouvrir, les vignes connaît, lisse et sauve pour qu'il te vigne sous la terre. Yo maltraité, li te souffri, pourtant c'était souffrance moins li te prend, pour te sauver, li accepté, pour prendre place moins sous la. Écoutez mes frères, amis auditeurs, amis des ondes, nous continuons à commémorer la mort Christ d'après l'évangile de Matthieu,
nous allons assister à Jésus devant Pilate, gouverneur romain. Toujours n'a continué chapitre 27 l'an. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes: Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: Tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux et des anciens. Alors Pilate lui dit: N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme il était assemblé, Pilate leur dit: « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? » Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire: « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: Mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit: « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit: « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Parole du Seigneur. Oh Jésus, ton âme mère réclame, racheté, mes voici tout à toi. Prends mon cœur, prends mon corps et mon âme. Oui, prends tout, car tu mouris pour moi. Amour si merveilleux pour moi, amour si merveilleux pour moi. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, qu'il est mort sur la croix pour moi. Église baptiste de la foi chrétienne, saluez-nous encore mes frères, chers amis des ondes, nous qui à peine branchés n'a pas suivre parcours que Jésus t'a fait pour être capable d'aller à la croix. Nous dans l'évangile selon Matthieu et nous pour regarder qu'ayant outrage des soldats et Jésus crucifié. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire
Et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau de la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Parole du Seigneur. Mon foi, Seigneur, t'es descendu sous la terre avec ton message plein d'amour. Livide, la caille nous, personne parle se voir. Dans l'évangile selon Matthieu, toujours chapitre 27, nous parlons de Jésus crucifié et corps Jésus y mettait dans le tombeau. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne,
ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le regardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même. » Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu », les brigands crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts et ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. » Le soir étant venu, voici arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assis vis-à-vis du sépulcre. Parole du Seigneur. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme
Mes frères et mes sœurs, pour commémorer ou pour annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, en cette occasion, nous allons partager le repas du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Nous demandons tout bien-aimé qui dispose la caillou pour capable communier, pour capable prendre vers Sainte-Seine et nous capable préparer nous pour nous manger pain qui symbolise le corps Jésus qui était meurtri et du vin qui symbolisait sans lit qui était versé. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Oui, faites ceci en mémoire de moi. Message passé, son annonce n'a pas annoncé la mort Jésus jusqu'à ce qu'il retourne. L'état plus bon pour nous camper chaque temps que n'a partagé le repas du Seigneur ensemble. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. Seigneur, nous remercions pour Gethsémani, nous remercions pour ton agonie, nous remercions pour et pignot qui te souffrant, nous nous remercions pour sang qui te versé, nous nous remercions pour la mort sur la croix. Et bien nous, Seigneur, en obéissance à l'ordre que vous passez, nous avons annoncé la mort jusqu'à ce que vous retournez. Pendant que nous allons participer dans ce repas, bénis-nous tous, éternel Dieu, ça y est qui la caille, ça y est qui notre travail. Permettre que ce repas, il va tomber dans le corps, nous, il est capable de servir nous comme un baume de guérison. Ainsi nous prions, pas parce que nous bon, ni nous dire, mais dans le nom de Jésus, lui-même qui a vivre et qui a régné au siècle des siècles. Amen. Prenez, ceci est mon corps. Mangeons ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il leur dit: ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vie
jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Buvons ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le sang de Jésus-Christ. Péché, qui veille la dame, sorti sans tache pure. Sorti sans tache pure. Vers le trône de grâce de Dieu par la prière. Nous avons un mot pour nous dire à soyant, pour nous dire merci pour le grand amour ça qui t'est manifesté envers nous-mêmes. Nous avons dit merci pour toutes les bénédictions spirituelles dont nous sommes objets de ta part. Il a demandé lui à Soya, demandé pour que sang lui transfusé avec sang, pour capable bah nous force, pour nous capable lutter contre les forces des ténèbres. Demandez mon Dieu pour sang Jésus transfusé avec sang petit tout, pour rendre yo invulnérable. Yo grand, yo intouchable par ou mes ennemis, Satan le diable. Mwen mande ou aswaya, pendant que nous croyons dans sacrifice ça, nous croyons dans sang Jésus, mais déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres, ou même qui ont difficulté à aswaya. Ou même qui n'ont obstacle à soi, qui n'ont obstacle devant. Moi, je vais déclarer par la foi. Quelle que soit force ennemie, déclarer, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quoi, toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ta forgé contre toi sera sans effet. Mande mon Dieu pour ouvrir ou astroya dans le monde ça qui est très dangereux, dans le monde ça qui a pile malheur là-dedans, dans le monde ça qui a pile tracas là-dedans, dans le monde ça qui a piquant coin là-dedans. Mande mon Dieu pour ouvrir. Seigneur, mes peuples là-devant, y a tout merci pour tout ce qu'on fait. Et au couet, Seigneur, sans Jésus, découlé pour yo même déjà battre la victoire. C'est y a plus là nous qui besoin de force, y a plus là nous qui fatigué, y a plus là nous qui bouleversé, y a plus là nous qui persécuté, y a plus là nous qui tourmenté. Nous m'adons Seigneur, visitez-nous d'une façon spéciale. Y a bien aimé qui besoin de toucher à soi. Nous m'adons Seigneur, visitez-vous et touchez-vous et guérissez-vous. Seigneur, bénis peuple Église Baptiste de la foi chrétienne. Bénis ministère ça pour planter dans Boston. Je n'ai pas facile, mais nous vous remercions. Nous déjà porter la victoire. Seigneur, gardez-nous. Bénis-nous ce soir. C'est la grâce que nous réclamons, non en guise des mérites, mais au nom et par les mérites infinis de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Donc, nous allons passer tout de suite dans la réception des offrandes, juste avant le message de la parole de Dieu. Donc, nous avons demandé, bien-aimé, nous, son service solennel.
nous adorer bon Dieu tout avec offrande nous. Donc nous-mêmes qui la caille, qui voulait bailler offrande, on a servi ça, donc pour une adoration complète. Donc pour capable de faire ça, gens qui ont habitué à faire lui. Donc on a dit un mot de prière, deux mots de prière. Et puis donc bien les meilleurs va passer plateau yo. Et donc puis Timnan de l'Orange on va prendre position puis capable chanter à la gloire de Dieu. Seigneur, nous te remercions pour permettre que Seigneur nous capable contribuer pour l'avancement de ton œuvre. C'est une partie d'adoration. Mande au Seigneur béni chaque bien-aimé qui a participé dans partie d'adoration ça. Nous demandons au Seigneur de multiplier ça que vous baillez là, éternel Dieu. Fait que vous avez toujours gagné pour vous bailler. Seigneur, vous avez la pluie de la première et de l'arrière saison pour vous-même. Avec l'Église, éternel Dieu, permettre que l'Église soit capable de marcher de progrès en progrès, de victoire en victoire. Que la prospérité soit notre partage par Jésus-Christ, le Christ notre Seigneur, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Jésus pas mourir encore. Il y a droite papa, l'a plaidé pour nous. On nous fait qu'on est content à souhait après nous avoir commémoré victoire Jésus-Christ dépassé te bail sur la croix du Calvaire. Nous va chanter ensemble 54 créoles chant d'espérance. Levé non moins à soleil là. Commence ta chou aujourd'hui à premier.
Donc, nous allons partager le message de la parole de Dieu, mais avant, à nous faire peut-être une annonce ordinaire. Donc, première annonce que nous avons fait, bon, c'est Emmanuel, on va boire d'eau, on va avoir Marie, on type d'eau, nous là. Mais on type d'eau. Nous besoin de tibolo. Donc nous annoncer demain soir donc nous gagner toujours n'a clôturé exactement 21 jours hein. C'est demain soir qu'a fait nous 21 jours depuis nous t'émettez jour ça yo à part pour nous capables non seulement remettre l'église là by bon Dieu et puis apprécier que grand sacrifice que Jésus était fait pour nous sur la croix. Donc, nous demandons tout le peuple bon Dieu en priorité dans la méditation. Et puis, donc, dimanche matin, nous avons l'école dimanche, comme d'habitude, à partir de 8 heures, j'en nous confélie. Et puis, nous avons l'église depuis 10 heures moins, à 10 heures exactement, nous avons commencé à chanter l'orange bon Dieu avec les chants de résurrection. Donc, nous croyons que c'est tout annonce que nous gagnons pour même en soyant. Et seulement, nous avons demandé toutes bien-aimées qui fêtent dans le mois d'avril. Donc, nous allons regarder dans le registre noir. Si nous avons toutes demain soir, nous apprenons. Mais seul ça que nous gagnons en tête, nous là, c'est anniversaire, c'est Emania, c'est. Cardichon, donc qui fête dans le mois d'avril. Donc nous déjà prier pour ce Emania, pour bon Dieu capable d'aller en pile jour sous terre. Et nous croyons que, on behalf of Samuel and Joshua, so we wish you happy, happy birthday. So, merci pour nous croire, c'est la mi-temps mois. Donc nous disons bon Dieu merci pour ça. Lecture nous soyons nous joignons dans Luc 23 verset 46. The reading for tonight we find it in Luke chapter 23 verse 46. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Ces dernières paroles, Jésus sur la croix: Père, je remets mon esprit entre tes mains. This is the last word of Jesus when he said, Father, I surrender my spirit to you. Et nous connaissons que sur la croix, Jésus t'a prononcé sept paroles. And we know that on the cross, Jesus pronounced seven words. Et depuis samedi, donc nous t'ai prêché sous cette parole ça, on t'ai commencé avec première parole là samedi. Beginning from last Saturday, we started to talk about those seven words, and we took the first one on Saturday. Et ainsi de suite, chaque jour nous prenons deuxième, troisième, quatrième. And so on, we take from one till now, we're going to see the last one. Ces dernières paroles que Jésus prononçait sous la croix. Because this is the last word Jesus pronounced on the cross. Nous devons première parole là, Jésus t'a montré compassion même pour monde qui t'a battu. And in the first word we see the compassion of Jesus even for those who beat him up. Le demandé papa pardonner yo, yo pas comme ça faire. When he asks his father to forgive them for they don't know what we're doing. Dans la deuxième parole, il était accueilli un méchant qui était repenti. And in the second word, he actually embraced a sinner who actually repent on the cross. Il te dit, je dis même, ou va avec moi dans paradis. As he said to this man, today you will be with me in paradise. Troisième parole, quatrième parole, ainsi de suite, nous te voyons. En pile bagaille que nous pas besoin de rester sur yo à soir.
And so on, we follow and saw a few lessons that we will not base on tonight. Et nous sommes capables de mettre un petit point sur la sixième parole là, côté Jésus t'a dit, tout est accompli. And I'd like to say a few words about the six words when he said, all is accomplished. Il paye prix que nous-mêmes nous devons payer. He paid the price that we're supposed to pay. Il prend la mort et c'est nous qui méritons la mort. He took death on our place. Il souffrit en pile et c'est nous qui méritons souffrir. He suffered our sufferings. Et à ce à nous arrivons dans la dernière parole là, côté Jésus dit, Papa, moi remets l'esprit moi bas ou même, et puis il mourit. And tonight we arrive at the last words when Jesus pronounced and said, Father, I surrender my spirit to you, and afterwards he died. C'est volontairement Jésus a accepté mourir. And honestly, I must tell you that voluntarily Jesus accepted this death. C'est parce que bon Dieu t'a voulu. Because his father was willing to do so. Et si m'le ouvon parenthèse tous mes frères, à cause qu'on est chrétien, gen bagay ki rivo, c'est parce que bon Dieu voulu. If I like to say some stuff, I want to tell you that there are certain things that only if they can happen only by God's will. And back in the days when they crucified somebody, and this person was supposed to spend hours on the cross without dying. And parfois ils étaient obligés craser zo mon nan pour te permettre de mourir plus vite pour te quitter souffrance là. And at some point they broke the bone of this person. Just in order to actually make this person die sooner. Jésus était crucifié, il y a deux hommes qui étaient crucifiés, un à droite et un à gauche. At the time when Jesus was crucified, it was in between two wicked men. Vers 3 heures de l'après-midi, 3 p.m. in the afternoon, les Juifs étaient un petit peu inquiétés parce que sabbat juif là d'après arrivé. As the Jews were worried about the Sabbath celebration, they didn't want the Sabbath celebration to happen while they have somebody nailed on the cross. And they were rushing to kill those three men because they want the celebration to happen. And And the best way they would do it to rush the process so they will have to break the bones of those men. Et les arrivés côté Jésus, but as they come to Jesus, pendant les deux autres étaient encore vivants, as the other two men died, et Jésus, they were still alive, Jésus était en train de mourir. But Jesus already died. Ça veut dire pas de nécessité pour craser Zol. Meaning there was no meaningful action to break his bone. Parce que dans Psaume 34 verset 21 qui dit, because in Psalm 34 verse 21 we saw, zo petit bon Dieu pas gen droit crasé. The bone of a child of God cannot be broken. Parce que dit c'est l'agneau de Dieu. Because it was the Lamb of God. Qui ôte le péché du monde. Who took away humanity's sin. Et en tant que agneau, condition agneau, fol sans défaut, pas gardé zo crasé là-dedans. And as a lamb, the condition back in the days, the lamb must be purified without any defect. Let me tell you something. There are certain things that will never let happen to you. I don't know who specifically I want to tell that, but let me tell you, there are certain things God will never allow to happen in your life. C'est petit bon Dieu, yeah. Because you are a child of God. Gen bagay li pa kite rive ou. There are certain things he will never let happen to you. Même si ou ennemi an fâché en pile. Even if you see your enemies are very angry, ou besoin gen garantie bon Dieu en contrôle. You must have the guarantee that your God is in control. Le Jésus te mouri sous la croix. When Jesus died on the cross, bon Dieu nan ciel la tap contrôlé venman yo de la première minute yo commencé jusqu'à la dernière minute yo fini. And God in heaven was watching the whole scenario and as it watched from the first minute till the last. Et m'a dit mes frères, bon Dieu a contrôlé la vie de seconde en seconde.
And let me tell you honestly, God is controlling your life from second to second. Et quelle que soit circonstance, n'ayez pas peur. And from whatever circumstance, let me tell you, do not be afraid. Bon Dieu en contrôle. Your God is in control. Mais qui ça nous doit apprendre à soi? Jésus dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. But what can we learn from this word, Father, I surrender my spirit to you? Son grand espérance que nous gagnons. It is a great hope that we have. Là nous mourir comme chrétiens. As we die as a Christian, nous allons joindre bon Dieu dans le ciel. We are going to our Father in heaven. C'est corps qui va dans tombeau. Our body will go to a grave. Mais non, mon esprit va joindre bon Dieu. But your soul is going straight to God. Ou pas dans le rapport avec Satan le diable. You have nothing to see with the devil. Et si les hommes sauvés mourir là joindre bon Dieu. If somebody who is saved died and goes straight to God, mais j'ai l'impression le monde qui mourit sans bon Dieu, l'esprit a tout monté dans mes Satan. I begin to understand that if you die without Christ, your spirit goes straight to Satan. Et comme chanan chez l'espérance là qui dit comme ça, sans sauveur, sans bon Dieu, ça va fait. And I like this song from this certain experience that say, without God, without Christ, what would you do? Les ou apé mourir, ça ou va faire. When you are close to dying, what would you do? Les ça, c'est sérieux lié. When it's very serious. Esprit ou nan mou pralé, côté ou pralé. Your spirit and your soul are going away, where would you go? Nous besoin travail, mes frères, pour nous gain garantir ça. Les nous va faire mes yeux nous sous terre. Nous connaissons, nous parlons, mais papa bon Dieu. We must work for that and work, make sure that when we die on this cross, we're going straight et to si God. Et si tu vois peut-être où t'as connu l'opale mourir. And if ever you ever know the day that you're going to die, c'est que mon docteur dit où l'opale mourir. Because there are certain people, doctor tell them they're going to die. Avec Jésus qui dans la vie ou comme sauveur personnel ou. But with Jesus in your life as your personal savior. Capable de dire Père, je remets mon esprit entre tes mains. You could easily say, Father, I surrender my spirit into between your palm. Mon qui dans monde là pas gagne espérance ça. People who are in the world doesn't have this hope. Moun ki pas sauvé pas gagne espérance ça. People who are not saved doesn't have this hope. Et nous besoin gagne espérance ça mes frères. And you must have this hope. C'est pas une espérance à 50%. Not a hope with 50%. Moi quand rencontre moun dans l'église qui dit oh m'pa croire si me sauvé. And I know a few people in church said, I'm not sure if I'm saved. C'est un bagage où tu es sûr à 100%. It must be something that you're 100% certain. Et si tu n'es pas sûr à 100% qu'on sauve, il y a un bagage qui est effort pour faire. And if you're not sure 100% that you're saved, you must start doing something. You have a decision pour prendre la vie. There are certain decisions you must start taking in your life. C'est pour inviter Jésus pour prendre cœur immédiatement. You must invite Jesus to take control of your heart immediately. Dis Jésus, moi remets la vie. And say, Jesus, I surrender my life to you. Moi reconnais que tu es mort pour moi sur la croix. I recognize that you died for me on the cross. Moi reconnais sang où tu es versé pour moi. I recognize your blood was shed for me. Moi bon la vie. And I give you my life. Et comme ça l'aura mouri mes frères. And from this, when you die, ou 100% sûr, you will be 100% sure ou nan route pour le ciel. That you are on your way to heaven. Chante en dit comme ça, moun ki remet Jésus, ki nan Jésus, y a joint bon Dieu. And the song followed by saying, those who died on cross go straight to God. Bon Dieu, c'est un bon papa. Our God is a great Father. Li recevoir yo nan bras li. He received them in His arms. Li sauve yo, li garde yo. He saved them and watched over them. Et l'amour pa fè nou peur. And death cannot afraid us. Parce que Jésus ak nou. For Jesus is with us. Mes frères, mes sœurs. Brothers and sisters. Nous besoin songer Jésus te mouri sur la croix. We must remember that Jesus died on the cross. Li mouri pour gain espérance ça je dire. Die for your hope today. Thank you.
toi, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu intuiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Allez en paix, bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse.